And everybody's got a little hole in the middle. Everybody does a little dance with the devil. And you know I'm even there. And you shout it loud and proud. C'est la maison du bûcheron. C'était à ma mère, tout ça. La fais pas tomber. C'est toi qui m'as trouvé? T'avais l'air mal en point. T'arrêtais pas de marmonner des trucs à propos d'une cabane. Tu t'es perdu? Non. Je me suis fait renverser par une voiture. Où ça? Dans la forêt? Sur la grande route. J'ai dû me cogner la tête et perdre mon chemin. Oh! Eh ben, je devrais peut-être appeler les secours. Je t'emmènerai bien à l'hôpital, mais j'ai pas le droit de prendre la voiture. Non! C'est pas si grave. Enfin, pas au point d'aller à l'hôpital. T'en sais rien. Tu devrais consulter. Non, ça va. Promis. Eh ben, ravi de voir que t'es vivant, en tout cas. J'ai eu un doute à un moment. Ça va? T'étais au lycée de Touroc, non? Oui, le lycée. J'y suis allé pendant un temps. Ah, c'est bien ce que je pensais. Tu mangeais souvent tout seul sous l'arbre à côté du parking, je me trompe? Le genévrier. Ouais, c'était moi. Rappelle-moi ton nom déjà. Dean. Enchantée. Moi, c'est Vanessa. Dean, est-ce que je peux me reposer un moment? J'ai mal à la tête et... Je dérangerai pas, c'est promis. Ça me gêne pas que tu restes. Mais il faut vraiment que tu sois partie d'ici 8 heures, sinon mon père va nous tuer. Et juste au cas où, sache que j'ai déjà tapé un garçon tellement fort là où je pense qu'il en a avalé sa langue. Bah, c'est bon à savoir. Tiens, c'est vieux mais tout est propre. Merci. Alors, pourquoi t'as lâché le lycée? Toi aussi t'en avais marre d'être tout le temps collé par Madame Campbell? Non, j'ai fini par décrocher. Bah, on est deux alors. Enfin, moi, on m'a désinscrite pour que j'aille dans une école catho bidon où on me dit comment m'habiller, quoi penser... Bref. C'est quoi ton excuse à toi? J'avais à peine la moyenne. C'est mieux que zéro, non? Zéro, c'est quand tu fous rien. La moyenne, ça veut dire que t'as bossé et que tu t'es planté. Ah, c'est mieux comme ça. Vivi! Il est où, mon sandwich? J'arrive! C'est qui? Oh, c'est ma mamie. T'as faim?
vas bien te tenir aujourd'hui, hein, mamie? Attends deux secondes, j'ai oublié mes clopes. T'as arrêté il y a des années. Ah bon? Ouais. Nous avons de nouvelles informations sur l'affaire que la police surnomme désormais le massacre du désordre. Un des tueurs a trouvé la mort sur place, mais on nous confirme que trois suspects sont encore en fuite pour l'heure. Jambon fromage, ça te va? Ah, mais pas les tranches toutes faites, ça a pas de goût. L'assaillant abattu a été identifié, Dale Holt, résident de Turok, déjà condamné pour agression. Les autres suspects pourraient d'ailleurs appartenir à la même famille. Mamie, on a un invité. Bonjour. Attends, je la connais cette voix. Oh, Seigneur, tu es revenu. Est-ce que c'est vraiment toi, Mati? Coucou, mamie. Tu m'as manqué? Mon petit-fils. Mais où est-ce que t'étais pendant tout ce temps? Oh, en fait... Il était en échange linguistique dans une famille d'accueil. Attends, laisse-moi t'aider. Alors, Matt, qu'est-ce que tu faisais de beau toute la journée quand t'étais avec ta famille d'accueil? Je suis curieuse, vu que t'allais pas à l'école. Des corvées, surtout. Je m'occupais du jardin. Des fois, quand mes frères... Enfin, quand mes amis chargent pour récupérer du matériel à retaper, tu vois? Ouais, c'est sympa, les tours à la décharge. Matthew, ton père va te passer un de ses savons. Tout ce temps sans venir voir ta famille. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu sais à quel point ça a été dur pour ton père quand ta mère nous a quittés. Vous deux, vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'il peut ressentir. Tu peux arrêter de prendre sa défense pour une fois? Je vais plutôt aller écouter Arabesque, tiens. Bon retour chez toi, Mati. Je l'adorais avant. Elle avait le permis moto, elle faisait du karaté. Maintenant, soit elle trouve plus son pantalon, soit elle oublie comment ça se met. Matthew, est-ce que... C'était mon frère. Il a eu un accident de voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a un an, aux vacances de printemps. Matt était puni, comme souvent. Mon père adore nous priver de sortie. Mon frère a décidé d'aller à une soirée en cachette. Il disait que c'était pas pour moi, mais... Je crois que c'était pour m'éviter des ennuis. Le lendemain, on l'a pas vu au petit déjeuner. Papa était furieux. Et puis, on a reçu un coup de fil. C'est arrivé sur le trajet du retour. Moi aussi, j'ai perdu mon frère. C'était il y a pas longtemps. Comment? Il s'est fait tirer dessus. Merde! C'est horrible. Je sais. Dis, ça te dérange si je révise un peu? J'ai des examens la semaine prochaine et j'ai pas ouvert un bouquin de tout le semestre. Je peux faire la vaisselle? Je t'en prie. Tu sais, t'as bien fait d'arrêter les cours. Ça sert à quoi de pouvoir citer trois façons dont Andrew Jackson a changé le rôle du président des États-Unis? Je sais pas trop. Si c'est dans l'examen, je passerai la question. Désolé. T'en fais pas pour ça. C'est qu'une assiette. Et donc, vous étiez proches? Hein? Toi et ton frère? Un jour, il m'a tiré dessus 6 fois avec un pistolet d'airsoft. Mais il me protégeait quand pas avait trop bu. Alors, j'imagine que ça dépendait un peu des jours. Ton père... Il est alcoolique, c'est ça? Il l'était, oui. Maintenant, il s'accroche à la vie dans un hôpital pour anciens combattants. Eh ben,
T'es aussi gâtée que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pendu. Enfin, il a essayé. Je l'ai arrêté. Oh, c'est horrible. Je sais bien que c'est horrible, mais... Des fois, j'aimerais bien que mon père... meure, ou quelque chose du genre. Arrête, tu le penses pas vraiment. Tu comprendrais si tu le connaissais. C'est un psychopathe. Tu sais, moi aussi je déteste ma famille des fois. Quand c'est pas mon père qui est bourré, ou mes frères qui me cherchent, bah... ils décident tous de se prendre la tête pour rien. Ouais, on se comprend. Enfin bref. Désolée, c'est pas très joyeux. Hé, tu veux pas m'aider à réviser? Oh, je sais pas si je serais d'une grande aide. Mais si, t'inquiète. Ça marche toujours mieux quand on est plusieurs. Bon, ok. Le Minnesota? Non. Le Wyoming? Non plus. Oh, je laisse tomber. C'était l'Alaska. Plus d'un million d'hectares de parcs, tous protégés. Le seul endroit où il y en a plus, c'est le Canada. Fais-moi voir. Ok, à ton tour. Hein? Non, j'ai Quel pas... Quel président a signé la loi de 1906 sur le patrimoine naturel, créé le Service national des forêts et établi 5 parcs nationaux, dont celui du Grand Canyon? Attends, je crois que j'ai vu ça à la télé. Thomas Jefferson? Non, t'es remonté 100 ans trop tôt. La bonne réponse est... Teddy Roosevelt. Oh. Et c'est officiel, je vais me planter. Et alors? Pas besoin d'examen pour savoir que t'es intelligente et... Enfin bref, tu vois. Waouh! C'est... c'est super gentil. Merde, il est rentré plus tôt. Dis que t'es un ami du lycée. Attends, non, un camarade de classe. On a un devoir à faire pour... Coucou, je t'attendais pas si tôt. J'ai pas vu de voiture dehors. Qui c'est? C'est Dean, du lycée. Bonjour, Dean du lycée. Bonjour, monsieur. Bon, ravi de voir que tu révises. Mais, Dean, rappelle-moi, tu es dans quelle école déjà? Bridgeway. J'imagine que tu voulais dire Bridgeley, n'est-ce pas? Oui, voilà, c'est ça. Dean est nouveau à l'école. C'est pour ça qu'ils nous ont mis dans le même groupe pour les devoirs. C'est toi qui lui vends de la marijuana? Quoi? Je t'ai dit, j'ai arrêté de fumer. C'est à lui que je parle. Faut que j'y aille. T'en vas pas si vite. J'ai encore le droit de connaître les fréquentations de ma fille. Vous êtes flic? J'ai une agence de sécurité. Sa société protège des banques. Dans une ville où le dernier braquage doit remonter à un siècle. Ça suffit, Vanessa. Enfin, ça risque de changer. Tu as entendu parler du massacre dans le motel sur la route 66? Ah, oui, ils l'ont dit à la radio tout à l'heure. Eh ben, j'espère qu'ils vont les arrêter. Moi aussi. Ils ont lancé une chasse à l'homme. Dès que le FBI aura rendu public les portraits robots de ces Holt, ils seront placardés dans tout le pays. Jason! Jason, j'ai besoin de ton aide, s'il te plaît. Toi, tu restes là. Je suis vraiment désolée. Il faut vraiment que j'y aille. Non, ça va être encore pire. Vanessa, il est où le livre audio de mamie? Attends, elle a dû l'oublier aux toilettes.
Papa, t'as regardé dans son tiroir à sous-vêtements? Mais pourquoi est-ce qu'elle rangerait ça là? Bah, demande-lui. Hé, faut vraiment que j'y aille, là. J'ai pas envie que ton père me pose trop de questions. Merci de m'avoir dit au revoir, alors. Oh, tu m'as sauvé la vie. Je sais pas comment te remercier. Tu pourrais m'aider à réviser un de ces quatre, autour d'un café. J'ai toujours eu envie de goûter un bon café. Attends, je vais te donner mon numéro. Tu peux m'appeler pendant la semaine. Il passe sa vie au travail. Je croyais t'avoir dit de ne pas bouger. Il faut vraiment que je rentre chez moi. Bon, je peux pas te retenir de toute façon. Merci, monsieur. Ma mère va être... Un instant. C'est les affaires de mon fils. Je peux vous expliquer. Je me suis fait renverser par une voiture. C'est Vanessa qui m'a trouvé. Elle m'a donné des vêtements propres. Et le conducteur a pris la fuite? Fallait appeler la police. On pourrait peut-être prévenir la voiture de patrouille. Non, c'était ma faute. J'ai pas fait attention. J'étais défoncé. Non, mais c'est une blague. Dégage de chez moi tout de suite. Oui, monsieur. Sale drogué, va. Et toi, t'es privé de sortie. Ses écureuils dans le cellier. Dis, salopeur, des paquets. Viens là. Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Dis-moi. Je me suis perdu. Je veux rentrer chez moi. Et comme par hasard, c'est dans ma cabane que tu débarques. Hein? Comment t'as fait pour trouver ma cabane? Hein? Qui c'est qui t'en a parlé? Personne m'en a parlé, je vous jure! Tu m'as l'air un peu jeune pour être de mèche avec ces trouducs. N'empêche que mon petit doigt me dit que tu me caches quelque chose. Je vous cache rien du tout! Rien du tout! Je le jure! Personne ne m'a jamais parlé de cet endroit! Tant mieux! Parce qu'il n'existe pas! À mon avis, il n'y a qu'une seule raison qui explique pourquoi tu es là. T'es venu me voler. Je dirai rien, je le jure. Je parlerai de votre cabane à personne. Tant mieux. Parce que tu repartiras pas. D'où tu viens, bonhomme? Eh ben, en fait... Ma mère est moitié dîner et moitié maori. Je te demande où t'habites, Andouille. Bref, peu importe. Et ta mère, alors? Elle est au courant que t'es là, petit voleur? Non. Je suis partie sans rien lui dire. De toute façon, elle s'en fiche de ce que je fais. Et je suis pas un voleur. Une fois, j'ai chopé un gamin en train de voler dans mon portefeuille. Je lui ai mis mon couteau sous la gorge. C'était le même que celui-là. Faites pas ça! Pourquoi? Qu'est-ce que tu crois que je lui ai fait? Vous l'avez laissé partir? Tu crois qu'il s'en est tiré comme ça? Les gosses retiennent rien si on leur explique pas la vie. Je lui ai dit que je le lâcherais après lui avoir coupé un petit bout. Mais comme je suis pas un monstre, j'ai été sympa. Je lui ai laissé le choix. Un doigt ou une oreille. Maintenant, c'est ton tour. Alors, choisis. Faites vite! Un doigt, hein? C'est exactement ce qu'il a choisi.
Et là, je vois qu'il commence à pleurnicher. Alors moi, je lui dis qu'il n'y a pas pire honte que de voler son propre père. Et qu'en tant que fils aîné, il est grand temps qu'il apprenne le respect. Ça a peut-être l'air cruel, je sais. Mais c'est comme ça que mon père m'a élevé. Et après ça, je lui ai dit qu'il me remercierait plus tard. Jamais il m'a remercié, tu parles. Au lieu de ça, il s'est mis à réclamer sa mère. Alors je l'ai laissé filer. Pas ? Eh, pas ! T'es là ? Écoute-moi, petit salopio. Tu sais ce qui t'arrivera si je te revois ici. Alors rentre chez ta mère et t'avise pas de revenir. Tire-toi, microbe. Plus vite ! Avant que je change d'avis ! Bah, c'était quoi ce coup de feu ? Est-ce que... Oui ! Une route ! Excellent séjour à vous et votre fils, Madame Walema. Il va avoir une sacrée surprise. C'est aujourd'hui ! Oh, maman ! Envoyer la moitié de mes agents à ta recherche. Dis à maman que... Je suis désolée. T'en fais pas pour ça. Tu pourras lui dire toi-même. Est-ce que ça va ? Qu'est-ce qui t'est arrivé, petit gars ? Je cherchais la forteresse. Ash, de quoi tu parles au juste ? Qu'est-ce qui t'est arrivé ? C'était... Il y avait une cabane. J'ai vu un homme, un braconnier, je crois. Des braconniers et... C'est foutu, braconnier. D'accord, Ash, t'en fais pas. On va se renseigner. Tout va bien. Ça va aller, petit. On va s'occuper de toi. Ash. Doucement. À l'hôpital. Ça va aller, d'accord ?
Un miracle qu'on arrive à passer l'autoroute, alors la frontière, ils vont tout surveiller. T'as une meilleure idée? Moi, je sèche. Jay! Oh, oh Seigneur, je croyais que je t'avais perdu. J'ai cru qu'il t'avait eu, maman. J'ai eu tellement peur. T'inquiète pas, mon grand. Un cachet d'aspirine et ça ira mieux. Et toi, ça va? Ça peut aller. Qu'est-ce qui t'a pris de débarquer comme ça? T'as pas été suivi, j'espère. Hein? Je sais comment camoufler mes traces. Vous avez un plan? J'ai un début de plan. Dante a noté un numéro de compte dans son petit carnet. Si c'est bien ce que je crois... On verra ça plus tard. D'abord, il faut qu'on arrive au Canada. Au Canada? Les flics vont surveiller la frontière sud. Donc on part au nord. Mais t'aimes pas le froid? T'en fais pas, Jay. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Pas vrai? Je pouvais compter sur Dale. Mais toi... Des fois, j'ai des doutes. Je veillerai toujours sur notre famille. Quoi qu'il arrive. Je vais monter la garde. Allez vous reposer. On a une longue journée qui nous attend. Je pensais que t'allais dormir plus longtemps. Je préparais la moto. Tu peux m'expliquer cette histoire de Canada? Oublie le Canada. C'est au Texas qu'on va. Hein? Je connais un type à Eagle Pass. Il nous fera traverser le Rio Grande. Mais pourquoi t'as parlé du Nord à Jay alors? Parce qu'il vient pas avec nous. Demain matin, je l'envoie à Canab. Je lui dis que c'est notre éclaireur. Tant qu'ils reviennent, on sera déjà loin. T'es gonflé. Je vais quand même pas lui faire ça. On a déjà perdu Dale, ça t'a pas suffi? Hé, hey, tu crois que ça me fait plaisir tout ça, peut-être? Tu crois que ça m'amuse? Ah, on sait tous les deux que t'as toujours eu du mal avec Jay. Et pourtant, j'ai quand même veillé sur lui, non? J'ai toujours tout fait pour cette famille. Je me tue au travail depuis que j'ai 14 ans. Je te protège de pas, depuis que je suis assez grand pour rendre les coups. Et dans tout ça... Moi, j'ai jamais eu de vie. J'étais trop occupé à me démener pour vous tous. Ça fait 25 ans que ça dure. Que je dois tout encaisser sans brancher, sans jamais rien dire. Parce que je suis l'aîné, le fils responsable. J'en ai ma claque, moi. Je veux pas couler avec le navire, moi. Il y a deux places sur la moto, pas trois. Alors cette fois, tant pis pour Jay. Quoi? Je m'en vais. Oh, ça suffit. Vous avez qu'à partir, et moi, je reste ici. Tu pourras jamais survivre toute seule dans les bois. Mais Jesse, il est dans son élément ici. Je m'en fiche. Je suis prête à mourir s'il le faut. Pas question. On va tous s'en sortir. Parce que Jay va faire le bon choix et rester là. Pourquoi on s'enfuirait pas ensemble? On n'a même pas essayé. Mais on fait que ça. Comment tu crois qu'on en est arrivé là? Réfléchis un peu, Jay. Tu nous dois bien ça. T'es sérieux? Un peu, ouais. C'est toi qui l'as volé, ce foutu carnet. Je savais pas. Justement, c'est ça le problème. T'es toujours dans ton monde. Pat t'a toujours traité comme un enfant prodige. Mais tu veux savoir la vérité? T'as jamais rien su faire d'autre que rêvasser depuis le jour où on t'a recueilli, Jay! Quoi? Je vais te dire, ta vraie mère, elle aurait vraiment mieux fait Tyler de... Ça suffit. Ça veut dire quoi, ça? Ma vraie mère? Ment? De quoi il parle? Ah, tu es de mon sang. Et je t'ai élevé comme mon fils. Ça fait de moi ta mère. Le reste n'a aucune importance. C'est important pour moi.
C'est qui ma vraie mère? Ma petite sœur. Brooke. Elle est morte en couche. T'avais une sœur? Et mon père? T'en as pas. Va voir là-bas. Tiens, tirer un truc. Est-ce que tu le vois?
Il est pas là. On va voir en bas. Les mains en l'air, d'accord? M'oblige pas à te faire du mal. S'il vous plaît, c'est pas la peine de tirer. Tu es en état d'arrestation pour... Merde. Je sais même plus combien de crimes, en fait. Si tu résistes, je serai obligé de recourir à la force létale. Bon. Tu vas te coucher bien gentiment. Les mains au-dessus de la tête. Avise-toi de faire ce brusque et... Thank you.